Eh bien, salut tout le monde, c'est Fared, et bienvenue sur ce nouveau stream avec le mauvais écran. Oh là là, mon dieu, qu'est-ce que tu me fais, Streamlabs. J'espère que vous allez bien, voilà, c'est mieux. On se retrouve pour ce nouveau stream de Fire Emblem Radiant Dawn. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre marche vers Baignon. On va affronter l'armée du Nord, l'armée des nobles, et on va leur casser la bouche, évidemment. Donc sans plus attendre, c'est parti. Ah bah moi ça va, écoute, ça va bien, ça va bien. Ouais, là on avait déjà tout fait, hein, me semble-t-il. Hein. Est-ce que je suis pauvre? Voilà, c'est ça la question. Oui, je suis pauvre, donc c'est qu'on avait tout fait. Voilà. Allez, quittez le camp. On y va, c'est parti. Alors, petite sauvegarde rapide en début de game. Hop, voilà. Donc au niveau des unités, est-ce que j'ai tout? Ouais, j'ai tout pour l'instant. Bon, bah ça va. Si j'ai pas l'embarras du... Si j'ai pas le luxe de choisir, on est bon. Ah, c'est mixte. Je me disais, là, qui c'est qui a un bonnet? Regardez, on dirait qu'il y a... On dirait qu'en fait, je sais pas si vous voyez la souris. Ouais, vous la voyez. On dirait que là... Il y a un truc jaune et juste en dessous, vous voyez le truc marron là, on dirait que c'est ses cheveux. Donc on dirait qu'elle a un bonnet jaune sur les cheveux. Enfin bref, voilà. Voyons un peu la zone. Ouais, ouais, ouais. Donc on va s'occuper de lui. Il faut vaincre le boss. Ouais, en fait on est encerclé quoi. On est complètement encerclé. Bon, alors. Toi, en vrai, on va aller t'occuper de cela. Voir un peu. Ouais. Moi, je t'ai mis un javelot, toi. Bon. Ouais. Toi, tu pourrais aller tanker cela. Et puis les autres. Les autres peuvent pas s'approcher pour l'instant. Coucou Fallen. Chuck Norris peut encercler une armée. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Bon, allez, hache d'acier, hop, on y va. Fallen qui se dit bonjour à LMF pour la rediff. Oui, la pub, c'est normal, internaute. Je vous rappelle qu'il y a une pub dans les premières 5 minutes du début de stream et après c'est toutes les demi-heures, c'est normal. Voilà, ensuite toi, ma foi, tu peux aller là. Allez. Hop, toi, épée d'acier. Voilà. Je rappelle pour les mauvais élèves qui sont pas attentifs quand on vous l'a dit, la première pub se lance 5 minutes après le début du stream environ, et après ces 5 minutes, c'est toutes les demi-heures. Donc là, ce sera toutes les demi-heures depuis cette pub. Et on va être millionnaire avec ces pubs, ça m'étonnerait. Loin de là, suivre mon avis. Loin, voire très loin de là. Par là. Oui, et je vous l'ai dit, et Pif Pouf vous l'a dit aussi. Je suis sûr que les pubs cherchent à cacher des fails. Ah, bah peut-être quand tu joues toi, Alain, sûrement. Moi, quand je joue les fails, il n'y en a pas. alors, en vrai, avec Soren, je pourrais tuer lui, mais lui, il va me défoncer après derrière, alors... Sauf si... si je me mets là. Vas-y, Spook. J'espère que vous pourrez vous offrir une grosse pizza à la fin de chaque mois. Non, 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 non.
On n'en est clairement pas là. On n'est pas payé à la fin de chaque mois hein, sur un Twitch. Je vous rappelle que sur Twitch, on est payé à partir du moment où on atteint là, une cagnotte minimum de 100$. Donc tant qu'on n'a pas atteint 100$, on touche rien. Et 100$, on les atteint tous les 3 mois, quelque chose comme ça, tu vois. Donc clairement, on n'en est pas à se dire qu'on va être payé tous les mois. Hein. On n'en est pas là du tout. Toi, par là. Voilà. Bon, de toute façon, après, la personne n'est... personne n'est à portée. Bon, à part eux, mais eux, c'est pas grave. On va juste faire attention à ça. Voilà. Fini. Quoi? En vrai. Oh, sérieusement? Bon, oh, bouh. Nul. Bon, bah, mets-toi... Voilà. Voilà. Bon, alors, comment ça va? Du coup, remettez ça. Voilà. Bah, vous mettez-vous là. Hop. Hop. Ouais. Vous êtes hors de portée, donc. Ouais, juste quand même. Voilà. Là. Là. Et là. Et qui c'est qui a pas joué? Ah bah oui, toi. Voilà. Allez, hop, crochet, mignon. Comme dirait l'autre. Voilà. Allez, venez, venez. Toi, viens mourir. Tous ces morts à la gloire d'internautes. Toi, va te soigner si tu veux. Alors toi avec ton cavalucide on va clairement t'éliminer. Alors là on réfléchit maintenant. Qu'est-ce qui est le plus prudent? Alors, déjà toi c'est de t'éliminer. Toi t'es encore hors de portée. Vous, vous êtes bien à portée par contre. En vrai mes cavaliers je vais les laisser en bas. Donc le cavalier c'est pas le plus urgent. Par contre l'archer je serais bien partant pour l'éliminer si c'est possible. Ouais c'est possible. Pour éviter les mauvaises surprises. Voilà. Après mets-toi là. Voilà, alors, maintenant, là on fait attention. Comment on va organiser la défense? J'en ai deux en armure lourde. Un je vais le mettre là, l'autre je vais le mettre là-haut, on va faire ça. Hein. Voyons.
On va regarder la portée d'un peu tout le monde là. Donc il y a Kaiser qui est à portée. Eux, je vais les éliminer. Donc à la limite, on va mettre Ike. Là. Voilà. Comment. Alors, l'idée c'est quand même qu'il y en ait qui gagnent de l'XP. Donc, des chevaliers pop à presque tous les tours sur cette map. Ça marche. On va quand même les soigner. Là. Voilà. On va faire passer tout le monde par le bas. Là, je pas. Si des chevaliers pop à presque tout le tour, je pourrais pas éliminer tout le monde. Donc, on va essayer de faire passer tout le monde par le bas. Du coup. Ouais. Toi. Ouais. Donc, là. Dommage. Ah, des cavaliers, pas des chevaliers d'ailleurs. Ok. Vas-y, reste là. Du coup. Quoi ? Là. Parfait, pour un zombie tu te débrouilles bien à l'arc. Ensuite, comment on va faire? Toi t'es pas à portée pour attaquer quelqu'un, ben non évidemment. Toi on va te mettre là. Vous allez rester par là en fait, pour au cas où, hein, pour couvrir Ike. Vous allez rejoindre les autres. Ah, venez par là. Toi, tu vas te mettre là. Tu vas y aller à la hachette. Alors, j'ai pas oublié qu'il y a un mage juste en dessous. Hein. J'ai pas oublié qu'il y a un mage juste en dessous, là. Ok, bon, on est pas mal là en fait. Néphéni, comme je sais pas trop, pour l'instant tu te mets entre les deux. Toi, c'est pareil, tu vas te mettre par là. Et mademoiselle, mets-toi par là. Voilà, alors là. Toi. Allez, d'où ? Très bon level up. Et il reste quoi ? Attends. Ok. En vrai. Ouais, si, quand même. Si. Vas-y. Ah, mais il fait mal, hein. En fait, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas envie qu'il. M'embête, c'est que s'il me touche, il me laisse Titania à 14 PV. Et 14 PV, c'est pas foufou. Hein. On va te mettre là. Voilà. On va jouer la prudence et on va voir. Hein. Donc là, il va attaquer Gatori, j'imagine. Ah non, il attaque Oscar. Ah bon.
D'accord. Bon, mais dans ce cas-là, en fait, ça va. Oscar, si je ne m'abuse, il est hors de portée. Ah, peut-être lui à la hachette, éventuellement. Non, même pas, enfin, ça va. Katori a toujours été excellent, là. Il était vraiment le tank par excellence, Katori. Allez, venez, venez, approchez, venez mourir de l'épée de Ike. Ah, cet homme, il se fait l'armée ennemie à lui tout seul. Mais quel homme, mais quel homme. Allez, va te soigner, toi. Alors, hop. Au javelot. Assoy. Huit de dragon. Voilà. Du coup, je peux pas me mettre. Bah non. Bah viens par là, on va te soigner, mon vieux. Ah. Tiens, toi. Il est pour toi. Alors techniquement tu l'as manqué là, mais bon, on va rien dire. Ok, alors j'ai dit on va te soigner, donc hop. Voilà. Vous venez par là. Bon, de toute façon je suis hors de portée pour l'instant, mais... Ok. On va traverser par ici. Quoique. Si, on va traverser par ici. Viens par là. Est-ce que je peux seulement traverser ou est-ce qu'il faut passer par là? Je sais pas. Bon, on verra. Alors, qui va tuer qui là? Qui va prendre de l'XP? 34, ouais, ça me paraît bien ça. Allez, vas-y. Ok, ensuite. Toi, bouge de là. Viens te mettre là. Attends. Hop. On fait attention. Voilà. Viens te mettre à portée du chevalier Wyvern.
avec un Merlin d'acier. Je crois que... Attends, il attaque à distance. Lance d'acier, non. Bon, allez, viens là. Hop. Voilà. Toi. Alors, c'est celui à la hachette. 2, 1, ok, donc il faut que quelqu'un lui fasse quelques dégâts avant. Bah tiens, Heather, est-ce que ça te dirait pas de lui faire quelques dégâts? Ouais, ouais, dans le marais t'es ralenti, ouais, ouais, ouais. Couteau d'acier, tu en ferais 6, mais tu prends 18. Ouais, mais 6 c'est pas assez. Désolé de te le dire, c'est pas assez. Bon bah toi, viens là. Ouais, 19 c'est bien. Là. Thorin, à toi. Toi, Katori, viens par là. Oscar, viens par là. Tu vas pas sauver Katori, non. Voilà. Toi, là. Et toi, là. Voilà, toi tu viens mourir. Alors. On va essayer d'attirer un petit peu les cheveux Weaver. Par contre, lui, la fulguration, alors, on va éviter de se mettre à sa portée. Surtout avec toi. Donc, finalement, tu vas venir par là, toi. Toi, t'as quoi? Éclair. Hein. Donc, on fait attention aussi. Ok, voilà. Allez, attire les chevaliers. Ike, viens là. Mia, viens là. Bon, toi, tu vas mettre 3 heures à traverser, mais c'est pas grave. Viens là. Toi, là. Et nous, on va traverser. Il n'y a pas d'autres chevaliers Wyvern là? Ah bah si, il y en a une là. Alors, donc là, j'ai personne qui éventuellement peut se mettre à portée, non. Ok. On va faire attention à eux. Toi, tu as éclair. Ok. Alors, attends, c'est qui est à portée là? Toi. D'accord. Alors. Toi là. Toi là. Voilà. Allez, vous venez. Approchez, mes petits. C'est ça, plus près. Approchez. Ok. Et toi, rendors-toi, t'es en hypoglycémie. Ah, le boss aussi, je me suis mis à portée du boss.
Ah, j'ai pas fait gaffe que je m'étais mis à portée du boss. Bon, c'est pas grave. Bouh! Nul! Nul! Allez! C'est ça, plus près! Approchez! Oh, quel homme, cet Oscar! Quel homme! Oh là 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 là! Mais quel homme! Il a tout esquivé et en plus il fait un critique, quoi! Quel homme, quel homme! Allez, par contre, celui qui a le moins de précision, il esquive pas. Bon, ben. On va dire ok, c'est Oscar, hein, écoutez. Allez, viens mourir, toi. Il s'est toujours pas soigné. Les chevaliers Weaver en approche. Bon, là, il suffit de vaincre le boss en plus. Ouais, bon. Alors, on va essayer de gagner un peu d'XP. Avant de vaincre le boss. Parce que là, clairement, le boss, il va mourir à ce tour-là, donc là, je peux y aller sans me soucier de... Sans me soucier de tout, en fait. Oh, hache d'acier, faudra que je t'en rachète une, mon vieux. 6, 46, 46. Ah, allez, vas-y au javelot. Pas, même pas mal. Regarde, bouffe! Oh là là là, quel homme lui aussi! Alors, comment on va gérer ça, là? Parce que là, le boss, clairement, il va mourir. Hein. En vrai, c'est vrai que ce serait drôle de le tuer avec lui. Il faudrait que je lui fasse suffisamment de dégâts. Alors, attendez. Sans le tuer. Alors, 8. Là, ce serait pas mal, parce que je pense pas qu'il ferait suffisamment de dégâts, même s'il fait un critique. Donc, vas-y. Beaucoup d'hommes dans cette vidéo, c'est ça. 18, ouais. Tu peux même faire un deuxième critique si tu veux. Non, pas de deuxième. Alors, la question c'est combien de dégâts je lui fais avec lui. Alors, dans le doute quand même. Lui, on va s'en charger tout de suite. Oh, sérieusement? Sérieusement? Non mais... T'as failli crever, Oscar, déconne pas non plus, quoi! Là, je l'aurais eu mauvaise, si... S'il était mort, je l'aurais eu mauvaise. Alors, combien de dégâts tu lui fais? 21! Oh, il en manque un. Allez, il faut un petit coup, une petite pichenette. Euh, 11, 64, 79, 74. Bon, ça devrait aller là. Je le touche, hein. Salut, Baron. Comment vas-tu, Baron? Voilà. Donc, toi, tu le tues. Mais avant,
Toujours dans l'idée de gagner un peu d'XP. On est bien d'accord, hein, vaincre le boss. Oui, on est bien d'accord. Hop. Alors, ah, tu fais pas plusieurs attaques? Oh, dommage. Oh, ouais, bon, en gros, ça sert à rien. Et toi, éventuellement? 16, 22, ouais. Bon, bah, écoute, dans ce cas, à toi l'honneur. Je vais sauvegarder avant quand même, des fois, que sur un malentendu, il y ait un certain perso qui loupe son attaque. Voilà, on sait jamais. Et voilà, tué par le healer du groupe. Internaute est content. Et voilà. Quelle humiliation, j'aime ça. Oh mais arrête tes conneries toi! Non mais l'armée principale elle va te démonter, t'imagines pas à quel point. N'oublie pas qu'il y a un certain général. Il y a un certain général dans cette armée là. Bien. Il l'a blessé suffisamment pour qu'on se replie. Ouais, bah en même temps, si on n'avait pas abandonné, Zeljus n'aurait fait qu'une bouchée de notre général, alors...
Ce n'est pas censé être lui le héros du jeu, pas du tout, pas du tout. Les copains de Fallon, c'est ça. L'apôtre Sanaki, impératrice de Bénion, ne veut pas d'une guerre contre les Laguses et cherche une solution pacifique au conflit. Pour de nombreux sénateurs, la guerre est non seulement un moyen d'étendre leur influence, mais aussi une formidable occasion d'exterminer définitivement les Laguses. Ces sénateurs ambitieux rencontrent le vice-ministre Lesquin pour le convaincre des avantages d'une guerre totale. Maintenant que leur nation est envahie, les citoyens de Bénion sont de moins en moins hostiles à la guerre. Malgré les recommandations de l'apôtre, toute l'armée de Bénion est engagée dans la guerre contre les Laguses. Zelgius échappe facilement aux serres des peuples oiseaux qui voulaient les retarder, lui et l'armée principale. Il arrive sur les plaines de Sestol, apportant des renforts à ses alliés affaiblis. Les troupes Laguses, surprises par l'apparition soudaine de ce nouvel ennemi, ont recours au conseil de Ranulf. Ranulf ordonne une retraite immédiate afin d'éviter un face-à-face avec la puissante armée principale. Le général Zelgius préfère ne pas poursuivre l'armée de Gallia et la laisse s'enfuir. Il ordonne plutôt à son armée de maintenir ses positions sur la rive est de la Ribane. Les deux armées que la rivière sépare n'ont d'autre choix que de se lancer des regards remplis de haine. Bah, c'est clair que s'il n'y a que les félins qui attaquent, les félins à eux seuls ne peuvent pas s'occuper de toute l'armée de Bénion. Il faut, c'est censé être une alliance Laguse, il faut s'associer avec les corbacs et les aigles. Hein. Et les dragons, eux, ils sont dans leur coin. Bah, c'est exactement ce que je viens de dire, Ranulf. Merci. Merci de confirmer. Ah mais il pense qu'à bouffer dans ce jeu, c'est fou quoi. Encore ! Exactement !
Le peuple de Fallen nous a trahis. Est-ce à dire que nous allons devoir mettre à mort Fallen? Ouais, sauf s'il y a quand même une faille dans ce plan. C'est que ce plan marchera si les sénateurs ont encore de l'influence comparé au général Zeljus. Parce que si Zeljus il dit rien à foutre des sénateurs, laissez-les crever, et que l'armée va le suivre à lui parce qu'elle respecte plus Zeljus que les sénateurs. Donc c'est quand même risqué comme plan, hein. Voilà, tout le plan de Soren repose sur cette phrase. Tout le plan repose sur ce postulat. Si ce postulat est faux, tout le plan est voué à l'échec. Et aussi parce que si on fonctionne pas comme ça, Trimir, tu vas te faire légèrement tuer. Enfin, faut quand même se rappeler que Zeljus, il a mis à mal et il a mis KO Tibarn. C'est quand même pas rien, quoi. Trimir, ça devrait lui faire tilt à un moment donné, quoi. Tibarn, c'est pas rien, c'est pas n'importe qui, quoi.
Bon, très bien. Alors, au niveau du soutien, il n'y a rien de nouveau là, hein, on est d'accord. Toi, on peut pas. Ah, oui, non, mais non, on est fini au Brown, c'est pas possible. Gatori. Il n'y a pas quelqu'un qui est tout seul, Boyd. Tu peux aller avec Gatori. Si, tu peux aller avec Gatori, voilà, allez. Ou alors, attends, on va refaire comme avant. Shinon, Gatori. Voilà, c'est mieux. Et Boyd avec ton frère. Voilà. Soren. Ouais, mais Soren, il faudrait quelqu'un qui soit seul. La seule personne seule que j'ai, c'est Heather. Ça ne marche pas. Dommage. Ou alors... Oh. Bon, tant pis. Tant pis, allez, peu importe, de toute façon. Alors, technique, on s'en fout. Expérience, combien j'en ai? 3700. Alors, juste pour voir. Non. Toi, niveau 10. Void avec Mist, tu dis. Pourquoi Boyd avec Mist? Voilà. Ok. Au niveau du commerce, je devais racheter 2-3 trucs. Notamment une hache d'acier. Ah, j'ai plus d'argent. Mince. J'ai pas des trucs à vendre qui seraient pas équipés éventuellement. Non, hein, évidemment. Ça change leur fin. Ah, ouais, bon, on peut faire ça éventuellement. Alors, attends, là je suis embêté. Il faut forcément que. Il faut forcément que je vende quelque chose. Alors, attendez, on va voir. Bon, tu dis Boyd avec Mist. Allez, si tu veux. Mist avec toi. Ah. Et Rolf avec, du coup, Oscar. Voilà. Bah, je suis moins fan hein, de cette association, mais bon. Voyons. Je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais vendre pour m'acheter bah, l'épée d'acier, c'est quoi? L'épée d'acier, 350, ouais, mais c'est pas assez. Elle coûte combien la hache d'acier? Elle coûte 640. Ah oui, bah non, c'est clairement pas assez. Bon, je peux déjà en vendre cette épée d'acier. Et après. Ça. En 10. Oh, bordel! Voilà, allez. Voilà, acheter. Et du coup, j'ai presque envie d'acheter même le Merlin plutôt que la hache pour notre ami Ar, parce que sinon il a plus grand chose pour se battre. Voilà, tu iras au Merlin d'acier. Ok, on sauvegarde. On fait une sauvegarde rapide et on part pour la suite.
Nos hommes avancent. Ils ont déjà traversé la moitié de la rivière. Inutile d'attendre. De toute façon, l'ennemi va bientôt les repérer. C'est l'heure de se battre. Tu devrais y aller. Ça va, j'avais compris. Je ne comptais pas me défiler. Bon, tu peux donner l'ordre. Pas la peine. Nos amis ont l'oreille fine. Ah, enfin. Je commençais à avoir des courbatures à force d'être assis. Déployez vos ailes, mes frères, que ceux qu'ils peuvent me suivent. Ce n'est rien. On a besoin de moi ailleurs. Battez-vous jusqu'à mon retour. À vos ordres, mon général. Tiens, tiens. Désolé de débarquer à l'improviste. Nous avons décidé de chasser la plus grosse proie en premier. Bien sûr. C'est une stratégie fort intéressante. Allez-vous dégainer ? Vous savez à qui vous avez affaire ? Le général Zeljus. J'espère que vous êtes digne de m'affronter. Car je ne voudrais pas perdre mon temps. Je suis Ranulf, bras droit du futur roi de Gallia. Cela vous convient-il ? Nous verrons. Je relève le défi. En garde. C'est étonnant qu'ils se soient jamais croisés pendant la guerre du roi Asnar, tous les deux. Avez-vous vu l'heure qu'il est, ce tumulte m'exaspère. Non mais enfin, bordel, c'est la guerre, quoi. Oh bordel, ces sénateurs, mais... Oh là là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Zeljus était resté à Dain et Ranulf a rejoint le groupe à l'entrée de Kryma. Ah, c'était pour ça, d'accord. Il me semblait qu'on l'avait déjà Ranulf à Dain, mais apparemment non. Ouais, bah moi je les tuerais bien, les sénateurs, mais effectivement, ça risque d'envenimer les choses. Alors.
Ouais, je peux y choisir. Alors, là, il va falloir faire les choix. Art, en vrai, art... voilà, quoi, hein. Le truc, c'est que... il va falloir que je me décide au niveau des archers, parce que deux archers, voilà. Deux cavaliers, pareil. Il va falloir que je choisisse entre Titania et Oscar. Et après, j'ai deux mages blancs. C'est toujours pareil, hein. J'ai Mist qui est... il va falloir que je passe au rang d'évêque et Rhys. Mais là, c'est lui, juste lui que j'aimerais bien prendre. Autant Brome et Néphénie, c'est pas très grave. Je préfère Gatori à Brome, donc voilà. Néphénie, je l'aime bien, remarquez, mais... ah, là, j'hésite. Hein. Là, clairement, j'hésite. Faites voir un peu, attendez. On a quoi? Des mages... des lanciers... tempête... ta-ta-ta-ta, ouais... bon, on a quand même, on a un archer, deux archers, on a quelques mages, ouais. Si je prends Brome, est-ce que, alors la question c'est voilà, parce que Néphénie je veux bien la prendre, mais si je la prends et qu'elle gagne pas d'XP ça sert à rien. Donc est-ce que ce serait utile que je la prenne? Parce que si j'enlève, toi je pourrais t'enlever en vrai. T'es mon archer le plus utile, mais j'aimerais bien entraîner Rolf. Enlève Rolf et un healer pour art et défini. Ouais, mais ça me dérange. Ça me dérange. Parce que tu vois, moi j'enlèverais plus un des deux. Parce que les deux, je les garderais pas. Je garderais pas les deux. Alors que deux healers, ils gagneront de l'XP, mes deux healers. Quoi qu'il arrive. Eux, ils gagneront de l'XP. Et Rolf, j'aimerais bien l'entraîner en vrai. C'est clair, Shinnon est le plus utile, hein. Enfin, entre les deux. Mais Rolf, il faudrait bien l'entraîner quand même, donc... alors, ce qu'on va faire, déjà. On va faire une sauvegarde rapide. Et on va essayer, en enlevant toi, on va prendre Ar. Néphénie, je sais pas si elle va être utile en vrai, hein. Mais c'est vraiment, hein, parce que je sais pas si elle fera assez de dégâts, si... Je sais pas. Écoutez, entre les deux... paladin à la hache, paladin à la lance... j'aimerais bien entraîner plus Oscar que Titania, alors on va enlever Titania. Je préfère Shinnon moi aussi en tant que perso. Mais si je veux être opti... je pense que Rolf est meilleur que Shinnon, une fois qu'il est entraîné. Mais c'est clair que si je veux être opti, enfin si je veux ma préférence, Shinnon est quand même mieux. Hein. Après entre Titania et Oscar, c'est vrai que j'avais entraîné Titania dans ma première partie. Alors est-ce que j'entraînerai pas Oscar dans celle-là? Allez, on va faire ça. On va faire ça, on va prendre des finis, on va essayer comme ça et on verra. On va essayer comme ça. Alors, c'est... donc eux ils passent par là j'imagine. Ok. Voilà, là, hein, clairement. Ben, Rolf met trop de temps à monter. Non, il met trop de temps à monter uniquement si tu... si tu ne lui donnes pas l'XP, il faut lui donner l'XP à la réserve en fait. Il faut lui donner l'XP à la réserve et après il n'y aura pas de problème. Allez, reste là. Alors là j'en ai que deux. Hop, viens là. Et bim, voilà. C'est fini, l'un des meilleurs persos. Oui, alors dans le 1 c'est vrai. Dans le 2 un peu moins, mais oui, mais j'aime bien. Moi j'aime bien Néphini. Clairement je l'aime bien. Donc oui, bien sûr. Excusez-moi.
Alors, fais voir. 12. Oh, mais... Voilà. Je voulais juste vérifier leur portée. Là, il est à l'abri. Alors, vas-y. 11, 9, 11... 11 et 12, ça va faire 23. Ouais. Quoi, ouais, mets-toi là. Non. Voilà, ça c'est bien. Ne le tue pas, c'est bien. Après, tu as Ar et Boyd en H et Nefini et Gatori en lance. Donc pour le choix du cavalier, c'est comme tu veux. Non, c'est pas ça. C'est pas par. Je compte pas comme ça. Parce que. En H, tu en as un à pied, un à cheval, et Ar, c'est pareil. Et tu en as un volant et un à pied. Et un à... je vais y arriver. Tu en as un à pied, un à cheval en H et en lance. Donc c'est pas pareil, c'est pas les mêmes unités pour moi. Donc ça... Je choisis pas comme ça. Je compte aussi en mobilité. Critique à la lance, et bim, allez, bouffe. Ah. 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 Et là. Ah oui, toi, c'est vrai. Allez. C'est ça, plus près. Approchez ! Bon, les chevaux, on s'en fout. Ils étaient... Est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire ça, un tour pour les chevaux, quoi ? Les chevaux, ils peuvent crever, j'en ai rien à faire. Brise la porte, ouais. Ensuite, sors de là. Alors, combien tu fais de dégâts ? 7, Soren. 8, 20, 9. 20, c'est pas mal. Qui on va mettre ? Toi. 7, 14, ouais. F14 encore. 32. Voilà, 32, c'est bien. Ensuite... Ok. Donc, niveau toi... Avec le fleuret, ouais, 0 évidemment. Oh, avec les javelots, est-ce que tu peux le tuer ? Non. Bon, bah dans ce cas-là, il est pour toi. Allez. Alors maintenant on fait attention quand même. Quoi ? Ah ! Ok. Ouais, je pense qu'elle devrait survivre.
je vais la mettre là. Ou vous restez là. Coucou toi. Non mais il m'énerve avec ses ventres bleus, lui arrête avec les ventres bleus. Quoi? Voilà. Et j'ai pas envie qu'ils viennent tous m'attaquer hard, parce que j'ai envie que les autres prennent de l'XP, donc tu reviens là. Ensuite, toi, je pourrais te faire avancer aussi. Mais non. Donc, en fait, on va s'arrêter là. Voilà, crochet, mes petits. Et le mage blanc qui s'en va au lieu d'aller soigner l'autre. Pas mal. Et t'attaques Gatori, vraiment. Il y a Nefeni à côté, t'attaques Gatori. T'es suicidaire, mon gars, hein. Mais pourquoi? Pour moi ça m'arrange hein, mais j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi. Pareil, je dois bosser de temps en temps. Si. Je vais peut-être se lancer un défi. Ça doit être ça, internaute. Ça doit être ça. Alors, est-ce qu'avec ton javelot, tu le tues, lui? Non? Sérieux? Bon, bah alors tu vas tuer... Voilà. Toi. Attends. Ouais. Bon. Non, j'ai pas envie que tu le tues. Oh. Toi avec ton fleuret. Ouais. Bon, alors, ce qu'on va faire. Ensuite, toi, mets-toi là pour attirer le mage et prends le petit pieux. Voilà. Ouais, bah écoute, si personne veut le tuer lui avant qu'il m'attaque. Remarquez, je vais peut-être le laisser attaquer Soren en vrai. Ouais, en vrai, on va peut-être le laisser attaquer Soren. Ike avance. Non, pas là, là. Oh, bien joué! Pour revenir à Kamé, pour moi, c'est de toute façon des unités que tu gardes pas jusqu'à la fin. Ils ont l'avantage et le défaut d'être trop équilibrés. Ouais, si. Un cavalier, moi je garde toujours un cavalier. Ne serait-ce que pas pour la mobilité. Parce que ça peut vraiment faire la différence, la mobilité des cavaliers. Alors attends. Gatori, tu vas te mettre là. Le seul intérêt des cavaliers, pour moi, c'est la mobilité. Hein. C'est ça qui fait que j'en garde toujours un. C'est comme les chevaliers wyvernes, etc. Si j'en garde toujours un, c'est parce qu'il y a de la mobilité. Hein. Ah. Ouh, quand même. 10 x 2. Ah ouais. Ah ouais, c'est comme ça, toi. C'est beaucoup, 10 x 2, quand même.
peu à tout hasard. Non, bon, alors mets-toi là. Et toi, bah, c'est toi qui vas venir tanker ici. Ah, ok, c'est bon. C'est toi qui vas venir tanker ici. Allez, hop. Il a une bonne esquive, cet épéiste. De baignon. Comme on l'appelle dans le jargon. Ok, bah du coup, il n'y a plus qu'à. Alors, toi, tu peux le tuer éventuellement? Ouais, tu peux le tuer. Lui, il veut pas le tuer. Bon, bah écoute, vas-y. Va mourir si tu veux. Il se lance des défis, hein, comme dirait internaute, mais bon. C'est insuffisant. Ça, c'était prévu. Bien joué! Contrer une attaque de Gatori! Bien joué! Bon, les chevaux, très important les chevaux, vite, bougez les chevaux! Bougez, bougez, vite! Oh, mais ce truc, ce tour est de l'inutilité quoi! Ok, alors là, on va la jouer comment maintenant? Toi, tu ferais combien de dégâts? Ok, alors ce qu'on va faire, tu vas pas le tuer Gatori, on est bien d'accord? Il faudrait qu'il fasse 12. Est-ce que tu fais 12? Non, tu fais 11. Bah oui, sinon c'est pas drôle. C'est pas drôle sinon. Bon, alors. Quoi? Pas mal ça. Allez, quand je veux pas qu'elle fasse des critiques, elle l'en fait. Non, mais sérieusement, Mia. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave, ok. Quoi? Là. Toi, reviens. Voilà. Elle danse le Mia. Tu es en forme, internaute, dis donc. Bon, et on est d'accord que même lui à gauche, tu peux pas le tuer. Il manque pas grand chose, hein, c'est dommage. Hein. Bon. Vas-y.
Ok, donc de ce côté-là, on est tranquille. Alors, l'autre côté, maintenant. Toi, faut faire attention, t'as un petit épieu. Toi, tu vas pas bouger, je pense. Ike, où est-ce que je le mets? Est-ce que je le mets là? C'est ça la question. Où est-ce que je t'envoie? Toi, tu es le mage d'abord. C'est peut-être ça qu'il faudrait que je fasse. Ouais. Attends. Ok, c'est bon. Donc on va envoyer toi, tu es le mage. Allez, vas-y. J'aurais pu le faire avant, négation. Maintenant, ça sert à rien. On est pas mal. Alors, du coup, Void. Ouais. Donc, prends ta hache métal. Reste là. Ike, viens là. Voilà. Tous ces baignons qui meurent. Oh là là. Et mine de rien, Ike aussi, il faut l'entraîner un peu, hein, de temps en temps. Ensuite, toi. Voilà. Wolf, viens là. Le mage blanc, il continue de s'enfuir. Et comme prévu, lui à droite ne bouge pas. Ok. Donc les gardiens des chevaux ne bougent pas, c'est bon à savoir. Par contre, j'aurais pensé que lui aurait bougé. Ah non, je suis pas à portée, d'accord. Du coup, toi avance. Ok. On va le laisser approcher. Hein. Voilà. Et attaque à l'épée de toute façon. Donc. Hop. Ensuite. Oui, Ike va être bloqué à un moment, bien sûr. Mais il faut quand même l'entraîner un minimum. Bon, par contre, toi, j'en ai marre de te voir t'enfuir. Alors attends. Quand même. Voilà, on fait attention. J'en ai marre de te voir t'enfuir. Viens là. Que il est temps de mourir. Ah merde, c'est le sénateur! J'aurais peut-être pas dû tuer le sénateur. Bon, c'est pas grave. Tant pis. C'est pas grave, il l'avait mérité. Il l'avait mérité. Je ne regrette rien, c'est tous des couillons, les sénateurs. Tant pis, qui crève. Tant pis. Je pense qu'il y avait un bonus si j'avais pas tué le sénateur, mais tant pis. Ils l'ont mérité, ces séfateurs. Pour Fallen, voilà. Et un peu aussi pour moi. Parce que mine de rien, le sénateur me tape sur les nerfs. Alors. Ouais. Allez. Tu les tous, me tente pas. Bah, de toute façon, en vrai, je pourrais tous les tuer parce que. Il me semble, ouais, si on gagne peut-être un objet bonus ou un truc comme ça si on les tue pas tous. Mais non, tant pis, hein. Ok, allez, on va libérer les chevaux. Le bonus, c'est sauver les chevaux. Ah, donc il y a rien si on tue pas les sénateurs, il y a rien. Parce qu'il y a rien, alors là, je vais pas me gêner. Hein. Ils vont morfler les sénateurs. Hein. Viens par là. Toi par là. Par là et voilà. Fuyez mes amis, fuyez.
Ok, alors... Hop. Hop. Allez, voilà, boum. Ensuite, là. Quoi? Là. De mémoire, non, et vu les super objets qu'il porte, ouais. C'est vrai. Voilà. Ensuite, de ce côté. Alors, lui, il bouge pas. Hein. C'est clair et net. Il ne bouge pas. Donc, hop. Ouais. Hop là. Ta. Il y a lui quand même. Lui, par contre, il doit bouger. Alors, on va peut-être mettre toi devant. Ça me paraît mieux. Ouais, ça me paraît mieux. Bon, même si le mage il va pas me tuer Gatori, hein, clairement. Mais si je peux éviter de qu'il prenne trop de dégâts. Voilà. Hop. Crame dans ton armure, toi. Pas terrible le level up, Soren. Là. Voilà. Là, ça te soignera un petit peu. Boum! Excusez-moi. Hop. Et hop. Ah, j'ai oublié de discuter. Bon, c'est pas grave. Eh oui, j'avais anticipé ton attaque. Et en plus, il est pas mort, c'est parfait. Comme ça, Néphénia va s'en occuper. On sait pas où ils vont. Même pas sûr que eux-mêmes sachent où ils vont. Très bien. Alors, Néphénie. Hop. Ok. Alors. Ouais, donc là, faut pas aller plus loin. L'autre, il a son arc létal. On va pas aller plus loin pour l'instant. Toi, viens là. Toi, tu peux pas aller jusque là-bas, hein. Non. Bon, attends. Boyd, recule. Discute avec elle si tu veux. Là. Ike, viens là. Très bien. Alors, hop. Ah.
Ensuite, toi là. 34, parfait. Ça me va très bien. Reste là. Toi là. Ok, alors lui normalement il bouge pas, lui je pense pas qu'il bouge non plus, dans tous les cas on va avancer comme ceci, hop. Voilà, barrez-vous les chevaux, allez, barrez-vous. Alors, le mage, l'archer, il va falloir s'en occuper maintenant. Là, il n'y a pas de mage ou quoi que ce soit, donc lui, s'il reste là-bas, c'est pas grave. Hop. Et tu le tues pas, saleté. Oui, les sénateurs, d'accord, mais là, c'est l'archer, mon problème. C'est Gérard. C'est Gérard qui a un arc létal. Alors, vous savez quoi? On va faire une sauvegarde ici. Et on va avancer et on verra. Voilà, on va se mettre là, on va essayer de le laisser venir, on va voir s'il vient. Quant à nous, on avance. Encore lui, Gérard. Eh oui, toujours Gérard. Ouais, voilà, ça c'est bien. Voilà, très bien. Yatori, mets-toi là. Voilà. Ensuite. Alors. Est-ce que à tout hasard. Oui. Mais. C'est lui. Ouais, je pense pas qu'il me tuera, Rolf. On va essayer, hein, au pire, tant pis, hein, mais. Je pense pas qu'il tuera Rolf. Thoren. Le boss va faire plaisir à Fallen. Pourquoi? Il est attaque de ténèbres? Parce qu'il a l'arme? Pas compris pourquoi il devrait faire plaisir à Fallen, mais admettons. Hop. Fallen va encore me dire que ça fait bizarre d'entendre son nom dans les sortir de son écran. Ça va la perturber. Et tu attaques Gatori. Bon, ah, c'est normal, c'est normal. C'est legit. Et en plus tu t'es loupé. Oh mais quel homme. Il part même la magie, ce Gatori. Quel homme. Voilà, c'est toi. C'est un mage noir. Oui, voilà, c'est un mage noir. Oui, bah oui, non, d'accord. Je pensais qu'il y avait autre chose que j'avais loupé. Oui, c'est juste un mage noir. Ouais. Ça aurait pu être mieux, hein. Ike est mort, j'espère. LOL. Où il va, lui?
Mais la sortie était devant toi. Oh, couillon de cheval. Alors, Oh, sérieux? Allez, zou. Alors, est-ce que à tout hasard tu serais capable de le tuer cet archer? Eh non, évidemment. Par contre, toi tu vas le tuer si je te fais attaquer. Eh ouais. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Bon, bah tant pis. Hein. Tant pis, il a un arc létal. Il est trop dangereux pour rester en vie. Éventuellement. Attends, il y a lui aussi là. Et si je te mets là, tu vas te faire attaquer par les deux. Alors, bon, il a deux en précision. Je pense qu'on peut, on peut dire qu'on peut se permettre. Par contre, lui, il a attaque au petit épieux. Il attaque au petit épieux. Donc ça veut dire que là, lui, il va m'attaquer. Je pourrais pas contre-attaquer. Ouais, donc ça sert à rien. Reste là. Après, il y a lui, c'est vrai. Bon, bah, toi d'ailleurs. Tu as des sénateurs à tuer. Les armes létales sont particulièrement létales, c'est ça. Parfait. Voilà. Du coup, j'aurais pu faire jouer Nefeli. Bon, c'est pas grave. Ensuite, ici. Mia, sert à quelque chose dans cette game. Ouvre la porte. Voilà. Oscar, il est pour toi. C'est peut-être pas un sénateur, lui, internaute. Je sais pas. Qui m'a rien donné non plus. Ça devait pas être un sénateur. Voilà. Donc maintenant, on rejoint le groupe. Ah oui, il faut brûler les réserves. Réserves qui sont là-haut, c'est ça? Et là aussi d'ailleurs, oui, putain, j'avais oublié l'objectif de la mission, heureusement que tu me le rappelles. Putain, toi, visite la tente. Bah donne-le-moi, ouais, c'est bien. Promotion. Ah, ça c'est pour... c'est le truc supérieur au magistère. C'est pour passer de... d'une classe... Non, ou alors je confonds. Attends. Je sais plus si dans celui-là, il y a des classes supérieures après la deuxième classe. T'as la classe de base, t'as la deuxième classe. Est-ce qu'il y en a une autre? Je sais plus. Ou alors, c'est que l'équivalent du magistère, mais pour les... Non, je sais plus. Bon, bref, peu importe. Du coup, Gatori. Reviens par là. On peut aller la brûler là, la réserve. C'est vrai que je les avais complètement oubliées, les réserves. Il y en a une là, il y en a une là. Brrr. J'avais complètement oublié ce détail. Bah tiens, va le soigner. Ouais, moi j'étais parti sur tuer tout le monde d'abord. Bon, c'est pas grave, allez, hop. Allez, zou les chevaux, dégagez.
Bon, lui, c'est pas ce qu'il fait. Un coup, il va à gauche, un coup, il va à droite. Alors, toi, j'ai besoin de toi. Faut que t'ailles brûler la réserve qui est là. Toi. Attends. Ok. Toi, brûle-moi la réserve là. Hein. Toi. Ok. Brûle-moi la réserve ici. Hop, toi. Ou toi. Oh, sérieux? Tu vas aller brûler la réserve qui est là, mais d'abord il faut s'occuper de lui. Ouais, vas-y, allez. Donc toi, j'ai dit, tu vas aller brûler la réserve qui est là. Et vous, vous allez continuer, il va falloir aller brûler celle-là. Alors attendez. Ça va être un peu tendu, mais c'est jouable. Allez, barre-toi, sénateur. C'est pour ça que j'ai dit que c'est jouable, Alain. Eh oui, tu ne savais pas que j'avais initiative. Mais qu'est-ce qu'il fait ce cheval, bordel ? Là. Alors toi, la réserve, là. Attendez, est-ce que de ce côté-là, je peux les brûler? Oui, donc dans ce cas-là, Merlin, là, bon. Mets-toi là. Brûler, et reviens là. Voilà. Ensuite, toi, viens là. Est-ce que tu peux le tuer? Non, tu peux pas le tuer. Bon. Dans ce cas-là, Ike. Là. Alors là, je peux aller brûler la réserve, mais après, j'ai peur de...
Bon, ça devrait aller. Ça devrait aller, ça devrait aller. En bas à gauche, je crois pas, hein. Ah merde, il y en a une. Si. Ah, je l'avais oublié celle-là. Fuck. Bon. Vas-y. Hop. Ouais, c'est bon, elle va y arriver. Hop. Alors, T11, ok. Et toi, tu le tues, lui? Il y a moyen que tu le tues, il n'y a pas moyen. Ça, c'est dommage. Mauvaise idée. Alors. Faut que je fasse attention, parce que le problème, c'est que... Combien de dégâts il me fait, le boss? Il me fait 20 de dommages. Mais c'est le seul à pouvoir m'attaquer, donc à la limite... C'est pas grave s'il m'attaque, vas-y. Brûle ça. Il va venir m'attaquer, mais 20 de dommages, il me tue pas, donc c'est bon. Et les autres peuvent pas m'attaquer, donc c'est bon. Vous, par contre, vous allez reculer. Jamais. Voilà. On va rester comme ça. Et puis... Voilà. Qui te dit que c'est pas moi qui veux avoir ta peau? Allez, avec un peu de chance, il esquive. Et il esquive. Oh, mais quel homme, cet Oscar. Mais quel homme. T'as même mérité de le tuer, toi, le boss. Tu sais quoi? Ou alors, on est fini. On va voir. Alors, j'ai oublié de changer son arme à arc, donc il va pas faire beaucoup de dégâts, mais bon. Alors, sale lave. Alors, évidemment, le cheval me bloque. Non, c'est pas drôle. Le cheval me bloque, sans déconner, quoi. Bon, mais dans ce cas-là, il est pour toi. Plus de défense, j'aurais pas dit non. Allez, mourez. Il faut faire attention, il a une épée d'argent quand même, mine de rien. Ah, pas rien quoi. Alors, faites voir combien de dégâts il pourrait. Ah bah non, je peux pas voir combien de dégâts il va me faire. Donc bah, tu sais quoi, reste là. C'est
toi, viens là. Et toi, viens là. Et qui c'est qui a pas joué? Ah, qui c'est qui a pas joué? Ah bah oui, je t'avais oublié toi. Eh oui, je t'avais oublié. Les chevaux, vous vous barrez sinon, à un moment donné. Allez, regardez, je vous laisse la place, barrez-vous. Attends, on va pas faire de conneries non plus. Alors, il faudrait faire 17 de dégâts. Pas 17 de dégâts. Alors tu fais 11, bon c'est dommage. Aïe, tu viens là. Viens me la tirer par ici, celui-là. Toi, viens là. Non, attends. Toi, viens le soigner. Viens là. Allez, vous laissez leur la place. Les chevaux, ils pourront s'en aller. Et toi, brûle-moi ça. Voilà. Il en reste plus qu'une. Il reste plus que celle-là. Allez, barrez-vous. Putain, c'est con, j'aurais bien aimé visiter cette tente, mais là... Là, ce sera pas possible. Bon, bah tant pis. Rien, je vais pas le tuer. Là, éventuellement, je peux prendre un peu d'XP. Donc, de l'XP, de l'XP, de l'XP. Un peu de défense physique, c'est toujours ça. Hein. Hop. Et hop, voilà.
Si je pouvais gagner un peu d'argent aussi, ce serait bien. Elle aussi, il va falloir que je lui refasse son équipement. Et Alain, tu as raison. Eh ben non, ça passera pas quand même. Putain, sans déconner quoi, ça passera pas quand même. Hein. À part si je mise sur du critique éventuellement, on peut essayer. Même pas, même avec deux critiques ça passe pas. Dommage. Tant pis. Bon, allez, hop, il est temps d'en finir. Non, c'est bon. Hop. Brûle-moi ça. Voilà. Le sénateur qui a fui avait un rubis. Eh ben tant pis. Ouais, enfin honnêtement, si tu l'affrontes, à mon avis, T-Barnes, c'est pas toi qui vas sortir victorieux. Eh, pauvre Ranulf, il a pris cher quand même. C'est lui qui avait clairement la mission la plus dangereuse. Profitant du soutien du peuple Faucon et du génie tactique de Soren, l'Alliance Laguse traverse la rivière contrôlée par Bénion. Enhardie par son succès, elle marche vers l'est à un rythme effréné et s'empare au nord du château de Seliora. L'Alliance Laguse vient de franchir une étape cruciale dans sa marche vers Sienne, la capitale de Bénion. La rivière Riban constituait une ligne de défense naturelle dont Bénion se voit maintenant privée. L'armée principale a été contrainte de reculer vers l'est pour se réfugier au château de Gados. Le moral des soldats ne faiblit pas grâce à la confiance qu'ils ont en leur général Zeljus. Pendant ce temps, les nobles de Bénion fulminent contre leur défaite. Oh mais bordel, quel crétin quoi. Des pays sont tombés à cause de crétins comme ça quoi, mais vraiment hein.
J'aime bien T-Bard. Ben vas-y, fais ça. Ce serait drôle à voir. Alors ça, c'est quelques secondes, Soren, mais bon. Bah, il est mort en fait pendant la guerre. Alors, on va vendre le saphir, mais d'abord la gestion de l'expérience. Bon, en vrai, j'ai presque envie de tout lui mettre à lui. Ah, il y a elle aussi. Non, allez, on met toi à lui. Ensuite, à qui je pourrais mettre...
Toi, tu prends le reste. Voilà. Alors, objet. Pose ça dans la réserve. Qui c'est qui avait l'icône? Ah oui, toi tu as ombre. Un truc que je vais jamais utiliser. Oui, on va dire ça, je vais jamais utiliser. Voilà. Donc du coup, foudre, on va le revendre. Voilà. Promotion donne dans la réserve. Et qui c'est qui avait l'icône divine? C'est Ar, non? Ouais. J'oublie toujours à quoi ça sert, ça. La chance. La chance, je dirais bien que tu le donnes à Mia. Je trouve qu'elle fait pas assez de critiques. Voilà. Ok. Alors, vendre. Dommage, ça se vend pas, ça. Le saphir. Ombre, non, on va pas le vendre. Pourquoi c'est là? Ah non, ça permet d'atterrir la technique ombre. Ah, brrr, quel boulet. C'est une technique, ça. Je croyais que c'était une magie, moi. N'importe quoi. Réserve, donner. Hop. Alors, la technique ombre, je sais plus ce qu'elle fait. On va regarder. Technique, juste pour voir. Réduire la probabilité de l'ennemi, repère l'unité et l'attaque. Ça, j'ai presque envie de le mettre à mist. Relais. Voilà, laisse. On la laisse tranquille, Mist. Et je vais quand même vendre le tome de foudre. Hop, voilà. Ok, donc j'avais dit. Ah oui, non, attends. C'est quoi cet arc que tu vas vendre, toi? L'arc de Shinnon, bah oui, évidemment. Mais j'ai pas de sous! Bordel de nuke! Ah, ça, alors, est-ce qu'il est en vente que maintenant ou est-ce qu'il va rester? Parce que s'il est en vente que maintenant, ça m'embête de pas le prendre. Mais il faut vraiment que... Mais quoi, j'ai dit bordel de nuke, c'est pas vulgaire, bordel de nuke, arrête d'être choqué, internaute. Ça a rien de vulgaire. C'est vachement soft. Parce que là, il faut clairement que je refasse le l'inventaire de... L'inventaire de... Que maintenant? Oh bordel. Parce qu'il faut que je refasse le l'inventaire de... Comment ça s'appelle? De Nefeni, hein. Oh, ça m'embête, là. Hein. Ça m'embête, ça m'embête. Est-ce que je revendrai pas cette épée? Je sais pas. Non, j'ai pas assez d'argent. J'ai pas assez d'argent. Ça, je peux le revendre. Ça, je peux le revendre. Non, mais non, je suis con. Putain, il fallait pas revendre éclair. C'est vent qu'il fallait revendre. Bon. On va racheter éclair. Ah, oh, j'ai été trop vite. Hein. Bah oui, en plus, ça coûte cher. Bon, bah tant pis, on va pas le racheter tout de suite, éclair. J'ai été trop vite, c'est pas grave, c'est ma faute. Ah. Bon, ça sert à rien, mais on va le revendre. Voilà. Et bah si je veux être RP... Bah non, remarque, il l'a donné à vendre. Donc tiens, il est pour toi. Et tu peux pas utiliser. Tu peux pas utiliser pourquoi? Parce que t'as pas la maîtrise ou parce qu'il faut vraiment que je le donne à Shinnon?
Une conçue par Jean Maître Archer. Il faut la maîtrise A à l'arc. Et tu as la maîtrise combien à l'arc? Tu as la maîtrise B. Bon, on va le laisser comme ça pour l'instant. Il n'y a pas quelque chose que je pourrais vendre pour refaire un peu le stock de Nefeni quand même. Ah, ça m'embête ça. Hein. Ouais, là, il n'y a rien que je peux vendre. Non, bah tant pis. Hein. Okay. Tant pis, il y a ça que je pourrais vendre éventuellement, mais... Mais bon, tant pis. Parce que là, en vrai, Nefeni, c'est clair que bientôt, il ne peut plus attaquer. Hein. En fait, il y en a plusieurs. Hein. Lui aussi, son hache courte, elle aussi. Il y en a plusieurs, faudrait que je refasse leur inventaire. Mais bon. Tiens, et lui, j'en reviens pas, j'ai vendu éclair. Quoi. Mais tiens, d'ailleurs, attends, j'ai vendu éclair, mais... toi, tu l'as, éclair. Hein. Hop. Échanger avec Soren... Toi, de toute façon, je ne te joue pas, donc c'est pas très grave. Voilà. Très bien. Et puis, face au général, on le fera demain matin. On va s'arrêter là, parce qu'il est bientôt midi. Voilà. Allez, j'espère que ça vous aura plu, et rendez-vous demain pour la suite. Salut tout le monde!